Salut YouTube, bienvenue dans cette deuxième VOD de Healer's Quest. On a un coffre juste ici. Ah, on n'a pas de coffre juste ici. Regarde qui se ramène. Pour ceux qui n'ont pas vu Healer's Quest, la première VOD, enfin je parle juste à ceux qui sont sur YouTube, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la première VOD, je vous invite à aller voir, le jeu a l'air trop bien. Trop bien. Donc n'hésitez pas à aller voir la première partie. On va voir sur les noobs, fraîchement sortis du tutoriel. Je parie qu'ils se rendent à leur tour, à leur tout premier donjon pour des temps, et on dirait... What? Déstabilisation, défense moins 1. On dirait qu'ils ont même ouvert notre coffre surprise MDR. Eh, vous savez faire une attaque de base au moins, sélectionner attaque, cliquer sur OK, lol, yurk, yurk, yurk. Ne répondez pas aux trolls, les gars, putain, c'est des trolls. Ne rien dire, on va faire qu'une bouchée de vous, je peux pas blairer les trolls. Je vais rien dire, pour une fois. Je trouve qu'ils se seraient vénères. Ok, on va combattre. Holy shit! On a pris cher de ouf. Ok, donc on va meditate vite fait. On va mettre le strain sur lui, je pense que c'est bien aussi. Bon, en tout cas, si j'arrive à le garder full tout le temps, putain, ils font mal. Ok, meditate. Ouh, il a pris cher lui aussi. Ok, quand il n'y en a plus qu'un, ça va mieux déjà. Ah, il lance des cailloux en fait, c'est pour ça qu'il arrive à attendre ceux qui sont derrière. Ça fait quoi corrompre? Je suppose, j'ai pas essayé mais je devrais, t'as raison. Je suppose qu'on leur donne de la thune et que du coup ils nous laissent passer quoi. Un truc comme ça. Un autre coffre. Un autre régène. Ah ok, donc les coffres ça fait ça. Enfin les vrais coffres du coup. Inventaire. Un anneau de régène. Du coup c'est lequel qui a pas d'anneau? Le seul qui a pas d'anneau c'est lui. Ok. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Est-ce que je peux passer par là? C'est les gardiens du pont. Je peux passer par là en effet. Il y a encore un shop. Classical Dungeon, ok, donc c'est notre destination. Ah, encore, putain. Bon combat. On va mettre le strength sur lui. On va mettre le heal. Lui, au pire, on va laisser descendre en dessous de 30% HP. Je meditate. Bah, je pense que le heal de base plus meditate, c'est trop fort. Hein. Parce que tant que tu heal pas, tu te mets en meditate et c'est bon en fait. Enfin, parce que du coup la barre de surchauffe descend. Si on avait la barre de surchauffe qui restait stagnée quand on changeait de sort et qu'on n'était pas sélectionné sur heal, éventuellement, ok. Mais là c'est trop fort en fait. Alors, ils sont passés niveau 5, donc logiquement si j'ai bien compris ils ont tous des trucs là. Comment je fais pour voir? C'est inventaire, ensuite je clique sur eux. Ah oui, ils ont tous ce petit truc là. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment... en un seul combat, c'est chaud d'avoir... sac à dos invisible. Augmente le stock maximal de potions de 3 à 5. Ah oui, donc les potions... Je vais en acheter une à chacun, parce que visiblement, ça a l'air d'être important. Mais pour l'instant, je pense... En fait, c'est le fait d'avoir mis le jeu en facile. Pour l'instant, ça va, quoi. Tous les 10 mètres, il y a des putains de ninjas. Super, on est arrivé au donjon. Ah oui, mais il est tout petit. Tu n'as jamais été dans un donjon, la plus grosse partie est sous terre. On va dans le Classical Dungeon, on va dire que cet endroit était maudit. Quiconque pénètre ce lieu deviendra complètement con. Nice. Ce sont des rumeurs, n'écoute pas ce que les gens disent, il n'y a aucun risque. De toute façon, on est déjà complètement con. Exactement. Oh, pas mal ça. Ah, ok. Le premier donjon, c'est excitant. Des rats et des chauves-souris, comme c'est banal. Arrête de râler, le premier donjon, ça doit être classique. Une dernière chose, gardez en tête qu'on n'est pas obligé de réussir le donjon du premier coup. Si ça devient chaud pour nos fesses, il vaut mieux rentrer se reposer à l'auberge et de revenir en pleine forme. Non, moi je dis, on le fait du premier coup. On peut d'ailleurs quitter le donjon à tout moment en cliquant sur le bouton en haut à gauche de la carte. C'est bien beau, mais comment explique-t-il ça dans le contexte du jeu? On a fait la téléportation, on peut y avoir accès depuis l'inventaire. Ne pose pas dans une question imbécile, si le développeur ne trouve pas une explication plausible, il risque de retirer sa fonctionnalité. Nice. Si il y a des potions de soins en cliquant dessus, alors non du coup. Parce que je comprends pas l'intérêt des potions, parce que j'ai l'impression que... Ah bah, non attends. Bah non. Ils ont tous récupéré leur HP en fait, parce que lui il a un anneau qui fait qu'à la fin du combat il récupère des HP. Mais lui non, et il était pas full life quand le combat s'est fini. Et là il est full life. Bon j'ai pas compris ce truc là, mais on verra. J'ai pas tout compris, on va prendre le stress sur lui. On va attendre que lui descende en dessous. Faut pas oublier de le heal lui. Ok. On va faire attention quand même. Tiens. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, ou qui regardent cette vidéo là sans avoir regardé l'autre,
Lui, tant qu'il est en dessous de 30% HP, fait plus de dégâts. Donc c'est pour ça que je le laisse descendre, en fait. C'est par zone, je crois. Dans le fond, tu vas pas régénérer. Ah. C'est sans doute parce que le jeu est en facile. Non, je pense que Flavian a raison. Je pense que c'est parce que, vu que je suis en facile, il y a plus de régène à la fin des combats ou un truc comme ça. Bracelet béni. Les sorts de soins sont 5% plus efficaces. C'est quoi déjà que j'avais tout à l'heure? En vrai, on va tester ça. J'ai encore des étoiles magiques. Nouveau sort appris, Shield, donne un bouclier de 35 PV. 35 PV? Vous savez quoi? Je pense qu'on va remplacer le Strength par le Shield. Et qu'on va le spammer sur Tanky. Comme ça, il sera tout le temps full life et... Et il fera mal tout le temps, en fait. C'est le bon plan, je pense. Du coup, amélioration. On va finir d'améliorer ça. Ah oui, ça coûte... Celui-là coûte 2, du coup. Donc, en fait, non, je peux pas. Donc, prochaine amélioration, je passerai à celui-là. Donc là, si au début du prochain combat, on n'est pas full life... Regardez, les voilà. Ces brigands nous poursuivent même depuis le donjon. Que avez-vous, brigand? On vous le dira lorsque vous serez mort. Fufufu. Mais non, regardez tout. Je pense que c'est ça en fait la difficulté, c'est que vu qu'on est en facile, en gros les potions vont servir à rien de tout le jeu. Du coup j'aurais mieux fait de choisir normal pour tester le jeu pleinement quoi. Putain les styles. J'avais pas vu! J'avais pas vu qu'ils prenaient les armes. C'est trop bien. Franchement, le développeur du jeu, je t'aime. Ce jeu a l'air trop bien. Combattre. C'est parti. On va mettre un shield à lui. Du coup, hop. Merci pour les Pungs, Alexandra Jeanne. Attendez, je crois que je fasse le con quand même. Je vais lire ce que t'as dit après. Ok, du coup on lui remet un shield. Meditate. Wouhouhou! C'était chaud. Ah, faut qu'il soit en dessous de 30%, mais faut que je fasse attention quand même, quoi. Victory! Donc ouais, du coup, le jeu en facile, pour le coup, il va être facile, quoi. Si à chaque fois je récupère le full life... À chaque fois, quoi, à la fin de chaque combat. J'ai eu des étoiles. J'ai eu des étoiles, je crois, j'ai vu. Ouais. Pff. Non? Non, j'ai rêvé, en fait. J'ai rêvé. Du coup, tu as dit quoi? Tu as dit... Pour tous les moments de plaisir devant les lives et des vidéos. Merci beaucoup, Alexandra Jeanne. Merci beaucoup. La porte est fermée à clé. Okay, donc on va pouvoir chercher une clé de ce côté, je suppose. On n'a pas encore pris le temps de discuter depuis qu'on a quitté Twirlton. Parle-moi de toi. J'ai parlé que ta mère faisait partie de la guilde des voleurs. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il fait des bêtises. En tout cas, elle a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Mais quoi? Ah oui, c'est vrai que lui, il croit toujours que c'est une meuf. Un homme, avec tout ce que ça implique biologiquement. Vous vous êtes bien moqué de moi, débrouillez-vous, maintenant je me casse. Ah! Ah, c'est chiant. Ok, on commence par le shield direct. Et on va se concentrer sur lui pour le heal. Ok. Donc là, si je fais Remedy, c'est qui est... C'était lui, hein? C'était lui. Shield encore. Attends, Meditate. Enfin, c'est chaud. Shield, voilà, comme ça je peux m'occuper des deux autres. D'accord, en fait, faut vraiment que je fasse attention au burst quand il y a beaucoup de. Quand il y a beaucoup de monde en face. Bon, lui, de toute façon, je peux le heal, au point où j'en suis. L'autre, il s'est vraiment barré du coup. Beauty qui court comme Naruto. Sérieux, j'ai pas vu. Il y aura la femme plus tard dans le jeu, je te le promets. Et bon choix, Tanky, les femmes ne sont pas intéressées par lui de toute façon. Ah, il est revenu. Je reviens, je vais te prouver le contraire. C'est vraiment une équipe de bras cassés, quoi. Bracelet défensif, tous vos alliés ont plus en défense. Ça, par exemple, je préfère largement que... Je préfère largement que ça va, donc, ouais. Parce que 5%, c'est vraiment pas ouf. Alors que 1 défense, vu que les stats ont l'air d'être assez basses depuis le début, on voit que 1 damage, 3 damage, 1 défense, 2 défense éventuellement. Je suppose que 1 défense, c'est quand même pas mal, quoi. Ok, il va falloir trouver une clé, je sais pas où là. Oh, un bouquin. Un livre. Quelqu'un a dû oublier ici. Ce n'est pas un livre, bande abruti, c'est un agenda. Dans l'RPG, on les utilise toujours comme point de... Ah, on peut sauvegarder. Je vais vous montrer comment sauvegarder une partie. Oh, non, 100%, c'est pas ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que tu rougis la partie sauvegardée? Oui, bien sûr, j'en parle le livre, une fois qu'on devrait sauvegarder la partie plus tard. Ah, oh, non. C'est pas... C'est un magazine, hein. Pas question, il est à moi. C'est un livre porno. Mon type de livre préféré, donne-le-moi. Oh, je connais ce livre, c'est du softcore, même pas intéressant. Mais putain, mais... Le mec qui a fait les dialogues, il est incroyable. Rendez-le à Darky, il a beaucoup à apprendre de ce livre. J'avoue, putain.
La seule chose qu'il devrait apprendre, c'est à lancer des sorts plus puissants. Il n'a pas perdu de temps, celui ne sera rien, ils sont aussi et partant de chien. Putain, ils l'ont vraiment laissé, quoi. Oh non! Il l'a pris! Fight! Ah ouais, c'est dommage, j'ai pas commencé. J'aurais vraiment dû choisir normal plutôt que facile, quoi. Parce que du coup, on découvre pas pleinement le jeu. En fait, ça enlève toute une partie du jeu qui est le. Bah, qui est les potions, quoi. La jauge d'un de vos alliés est pleine, vous pouvez maintenant utiliser son super move. C'est lui qui l'a? Merde, j'ai pas. Putain, j'ai cliqué trop vite. Je le déclencherai aussi en cliquant sur le soigneur ou sur l'icône super. Ok, donc ça. Non, c'est lui qui l'a. Allez, super, vas-y. What? Il était enchanteur de métal, vous avez vu? J'ai pas. En fait, je regarde jamais à droite, du coup, j'ai pas forcément vu les dégâts qu'il a fait. Boon vous rend 50 points de mana. Quoi? Est-ce que c'est mieux que le Meditate? À méditer, j'ai envie de dire, MDR. Je suis désolé. Tac, ça c'est fait. En vrai, je sais pas si c'est mieux que le Meditate. C'est quoi ce bûcheron métalleux? Allez, revoilà. Hein. Livrez-nous Grumpy, on vous laissera continuer votre quête pourrie. Ta gueule, Pixmel, on a vu. C'est tellement violent ce jeu! Y a des gros mots. On avait dit qu'on les tuerait tous. C'est quoi votre problème avec Grumpy? Ce sont pas vos oignons. J'ai mal à croire que quelqu'un soit intéressé par Grumpy. Vous avez coupé des arbres, un truc du genre? La ferme, t'es jaloux parce que personne ne s'intéresse à toi. Désolé, c'est un emmerdeur, mais on a besoin de lui. On veut bien vous donner notre soigneur, mais c'est notre dernière offre. Ok, je vais avec eux. Oh, je vais dire ça. On peut mieux que vous preniez. Je n'ai aucun sens de l'humour, Fukani. Ça aura rien changé de toute façon. Ah, là, il était pas full life, là, vous avez vu? Ou alors j'ai rêvé, il s'est fait des dégâts avant. Je sais pas. Meditate, meditate, meditate. Pardon. Healed. Heal. Heal, heal. Heal. Victory. Victory. Ce jeu est trop bien, quoi. Ce jeu est vraiment trop trop bien. Elf plus 12, pas mal. On va essayer de finir sur ce saloperie de don quand même. Putain, mais il y a des dialogues à chaque fois par contre. Alors, je pense que c'est rigolo. Et j'espère que c'est juste pour le début du jeu. Attendez, je me rappelle sur ma chaise parce que. J'espère que c'est juste pour le début du jeu parce qu'au bout d'un moment, les dialogues c'est sympa, mais s'il y en a trop, ils vont courir ils vont être à court d'idées et la fin du jeu. Ou alors le jeu est court. Enfin, je sais pas en fait. On verra bien. Je me dois des explications. Qu'est-ce que ces voleurs te voulaient? Ce ne sont pas de simples voleurs, ils font partie de la guilde des méchants. La guilde des méchants. J'ai jamais entendu parler, c'est une guilde secrète. Ouais, un messager te donnera une invitation. Si tu fais des trucs méchants en ville. Je faisais partie de cette guilde, mais j'ai dû m'enfuir il y a quelques jours. Que s'est-il passé? Rien, ils ont juste du mal à comprendre l'humour barbare. Attention, des rats! Bon timing, les rats. Fight! Tu nous en diras plus après. Ok, donc en fait, on récupère des HP. En fait, je vais essayer de le laisser lui. Non, lui plutôt, parce que lui, il est tout seul. Et lui, je sais qu'il récupère des HP à la fin des combats, à cause de l'anneau qu'il a. On va essayer de voir. Il nous attaque lui! Remédie, vite! Putain, l'enfoiré! Il s'était fait. Ok, on va le laisser à cette vie là, juste pour voir. Bah, les deux en fait. Pour voir si c'est bien Flavien qui avait raison, que c'est que dans les donjons. Que ça compte. Ce serait dommage quand même. De juste parce qu'on a mis le jeu en facile. Ne pas avoir l'une des trucs du jeu, quoi. Pourquoi as-tu quitté la guilde des méchants? Quelque chose ne s'est pas bien passé? Cette fois, tu dois tout nous dire. Ok, voici ce qu'il s'est passé. Ouh là là! Backstory. Un jour, j'ai une discussion avec le chef au propos de la nourriture. Ça a vite dégénéré. Par des gens, on vient de main pour des questions de femmes, pas de nourriture. Je reconnais bien notre Grand Prix National. Et après ça? La nuit après la bagarre, j'ai décidé de faire une petite blague à ce type. Sa tente était juste au pied d'une falaise. Oh non. Comme un vrai bûcheron. Timber! Ah bah il est mort. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que l'arbre a tué le chef, ainsi que deux autres types qui participaient à une réunion dans sa tente. Ah! C'est quoi ce truc? C'est un jeu trop marrant, Bobri. On a un meurtrier dans l'équipe. Je suis sûr que dorénavant, nous laissions plein pouvoir à Grumpy pour toutes les décisions gastronomiques. Il vaut mieux ne pas se mettre sur le dos. Oh! Et voici! Bah non, regardez, ils ont régène. Je sais pas. Je suppose qu'à la fin des combats, on régène un peu de base.
Ou alors c'est juste parce que je suis en mode facile, je sais pas. Ok, on va mettre le shield. Meditate. Putain, par contre, c'est défonceux. Oh ! Il a failli die ! Ils font mal de ouf ! Shield. Oh, il est mort ! Je te botterai les fesses, Fukani. C'est la première fois qu'on a un mort. Putain, il fait mal, lui, en fait. J'ai plus de mana. Meditate. Oh, nose ! Ah ouais, ça jauge de mécontentement. Ah ouais. Ok. Ah non, il revient. Ok. D'accord, il y a l'espèce de... Ah non, c'est juste pour les dialogues. Génial, bande de nazes. Si on devient pas riche, célèbre en tuant le dragon, on pourra au moins écrire un livre merdique sur les rats. Ah si, il est revenu. Est-ce que c'est grâce à son anneau? Ah, je sais pas. J'aimerais bien, en fait, faudrait que j'aille poser, après le stream, j'irai parler en DM avec le dev, et je lui poserai des questions par rapport aux différences entre les modes faciles, normal et difficile. Combattre, on va mettre un shield direct sur lui cette fois, on va faire de bêtises. Meditate. On va mettre un shield, tac. Un de personnages atterrit un poison, pendant 17 points de vie par seconde, pendant 7 secondes. C'est qui là? Je sais pas qui là. Ah, c'est lui, il est ouvert. Remedy. Voilà. Shield, vite. Voilà. J'ai plus de mana. Meditate. Je n'ai plus de mana. Meditate. Putain, le mana... Non! Il est encore mort! Il va être vénère contre moi! Putain, lui marche dessus, en plus. Bless. Double les points de vie rendus à la ciblée. Je le fais une fois, mais... Et ça dure combien de temps, du coup? Durée 5 secondes. Je sais pas... Ça coûte 20 de mana, en plus. Non, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Meditate. Ok les gars, faisons 4 groupes pour optimiser les... Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? 5 secondes beauty, je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne pense pas sérieusement qu'on va tous se séparer dans ce dangereux donjon. Bien sûr que non, pas tous, puisque Fukini vient avec moi pour me babysitter. Sinon, je vais aussi demander à ma hache de te babysitter jusqu'à ce que tu arrêtes de raconter des conneries. Noob, je vais tous vous report. Ce jeu est génial. Combattre. Shield. Cette fois-ci, on va éviter de faire le con. Voilà. On va remettre un shield direct à lui. En fait, c'est le shield hein, qui me nique tout mon mana. Ok. Bon, quand je me concentre, ça va. Bon, là, c'était pas un combat difficile non plus. Mais je pense vraiment, pour le coup, que... Heal, Meditate, Remedy, c'est trop bien. Et le shield, ça va bien avec le... avec Tanky, en fait. Stone Skin, c'est naze, j'aime pas. Enfin, genre, 10 points de défense, ça a l'air huge. Mais ça coûte trop de mana. Et... 6 secondes, ouais. Je sais pas. Le shield, ça me paraît mieux que Stone Skin, si, en tout cas, si je le fais sur Tanky. Strength, bof. Et pour l'instant, on a rien d'autre, en fait. Bless, non, jamais de la vie. Super Heal, jamais de la vie. Regenerate, je sais pas. Ou fait immédiatement récupérer 50 mana. C'est un tiers de mon mana. Je pense que Meditate... En fait, Meditate est couplé à Heal, c'est trop bien, en fait, je pense. La clé doit être là. Ah, vous allez voir une porte la prochaine fois que vous rentrez avec l'escadron, vous pourrez prendre un raccourci. Ok. Donc là, c'est un boss, c'est quoi? C'est un semi-boss? Quelque chose d'approche, quelque chose de grand. J'ai retrouvé de plus banal à sortir dans un combat contre un mini-boss. Ah ouais, c'est un mini-boss. Ce rat est énorme, ça rend empoisonné, ça, 100%. Il y aura une espèce de plus pour mon futur livre sur les rats. Je vais plutôt écrire un livre qui va de fermer ta gueule. Hein, enfin, de fermer leur gueule, plutôt. C'est quoi la compétence de Darky? La compétence de Darky, elle s'active quand je fais un truc qui rend du mana. La compétence spéciale de Darky s'active une seconde après Meditate, et le reste
tant que Meditate est activé. Et la compétence spéciale, je crois que c'est qu'il balance une boule de feu, non? Un truc comme ça. Inventaire. Attendez, je vais regarder. Hein. C'est une bonne question, ouais. Oh! Ça, c'est son super, ça. Créer une image de lui-même qui effectuera 3 attaques. Il utilise aussi ce sort pour éviter des situations embarrassantes auprès de la gente féminine. On prend une course séparée d'après avoir utilisé un autre sort. Ouais, c'est ça. Il fait une boule de feu qui fait 20 dégâts supplémentaires, en fait. Ok, let's go. On met un shield direct sur lui. On va se charger de Remedy sur lui. On lui remet un shield. On heal ça. Il a son super. Hop. Je sais pas ce que ça fait, mais je pense que ça fait des dégâts. Remedy encore, il est en train d'empoisonner toute ma team. Ok, faut méditer là par contre. Pouah ! Ce qu'il lui a mis ! J'ai même pas eu le temps de réagir quoi. Ok, un shield sur lui, tac. Wouah, ce qu'il lui met ! Remedy vite. J'ai pas de mana. Remedy vite. Oh, c'est chaud ce qu'il met! Il fait trop mal! Ah putain! Ouais, c'est chaud de ouf! Là, pour le coup. Oh là là, il fait trop mal! Pour le coup, je pense vraiment. Là c'est confirmé. Le je sais plus quoi comment il s'appelle là, le truc qui rend 50 de mana, c'est vraiment de la merde. Là, vous voyez comment je galère avec Meditate. Le truc a une seconde de cooldown. Pour 50 de mana, je pense que c'est chaud. Voilà, je vais perdre. Ah, quoique. Il a son super. Oh non! Quoi? Je peux rentrer direct? Pourquoi? Pourquoi je peux rentrer direct? Parce que je suis en facile? C'est quoi? Je peux tenter. Donc, faut que je sois full. Poison, soigne. Enfin, les raccourcis sont nécessaires, hein, je vous le dis. Remedy. Il fait vraiment mal, Laura. Mais tape, voilà, tape que lui. Ah, oh, j'ai plus mana. Ah, toi tu meurs, désolé. Super, vite. Bon, les deux derrière meurent, je pourrais rien faire. Oh! Oh, personne n'est mort! Wouh! Putain, c'est chaud! C'est chaud de ouf! En fait, je pense pas. Ça, du coup, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je pense pas que le facile moyen difficile change à la difficulté des combats. Je pense que les combats sont les mêmes et que facile, moyen, difficile, ça change bah, les heals hors combat, le fait que j'ai pu retenter instant, je sais pas pourquoi. Mais encore une fois, faut que j'arrête de spéculer, je verrai ça avec le dev, comme je l'ai dit. Ok, donc, est-ce qu'on resterait pas, vu que le heal et le meditate, on va le... Moi, personnellement, j'ai envie de jouer avec ça, j'ai envie de me build autour de ça. Du coup, je pense qu'on va... Max à fond, il est médiat. De toute façon, c'est le bon plan. Je pense que, à partir du moment où on a des spells qu'on aime bien, vu que l'arbre de combat est huge, ça sert à rien d'aller partir sur 4 spells différents en dehors de ceux qu'on jouera tout le temps. Et vu que Meditate et Illil, je vais les jouer tout le temps, je pense que je vais maxer ceux-là en priorité. Les étoiles sont envoyées plus souvent. 5 points, 6 points, ok. Merde, j'ai cliqué dessus. Mais c'est ça que je voulais mettre tout à l'heure, je crois. Clic droit sur un allié lorsque. Non, c'est pas ça. Non, ça, je veux pas ça. Boost fait récupérer 5 PV de plus à l'allié. Comment ça boost? La jauge de surchauffe diminue 100 fois plus vite. Ça, je pense que c'est bien en vrai. Je pense que c'est bien. On va le mettre. Quand vous méditez, la jauge de surchauffe se vide 3 fois plus vite. Ça, c'est trop bien. Ça, il me le faut de ouf. Je sais pas combien ça coûte, mais il me le faut de ouf. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est le truc où je disais que la jauge de surchauffe. Descend et tout là, c'est il me faut absolument. Anneau du rat, qu'est-ce que c'est? Plus 25% de chance de résister aux états anormaux. Lorsque l'allié a peu de vie, il gagne plus 3 en défense. On va le mettre à lui parce qu'il se fait défoncer.
Et l'XP en vrai pour l'instant, j'ai pas envie. En vrai, j'aime pas en général dans les MMO comme ça. Pas dans les MMO, mais dans les RPG type Dragon Quest et tout. J'aime pas en mettre un avec des trucs qui donnent plus d'XP parce qu'après il part trop loin devant et après il faut que je change. C'est comme dans Pokémon, vous voyez. Faut tout le temps changer le multi-expérience de place et tout. En bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est quand même pas une chose. Vous voulez dire que le rage géant que nous avons fui qui se dirigeait par chance vers eux, chef. Oui, bien sûr. Va voir chez le boss final, j'y suis, Pixmel, donc il en soit la guilde des méchants plus longtemps. Donc c'est vraiment la guilde des méchants ici, en fait. Oh putain, est-ce que... Ah, mais du coup, j'ai perdu mes potions, c'est ça? Non, je l'ai. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah, c'est là. Voilà. Ok. Ok. Fight. J'ai l'impression qu'en fait c'est celui qui est le plus bas en vie qui se soigne pas. Dis-moi si c'est une conne impression, mais... Meditate. C'est beaucoup plus facile de contrôler. Hein. J'ai pas regardé partout, quoi. T'es rarement en surchauffe. En fait, si, la surchauffe taunt tous les ennemis attaquent l'allié ciblé pendant 5 secondes. Non. Jamais de la vie je fais ça, c'est trop chaud. Enfin, techniquement, non, parce que je peux concentrer mon heal sur un seul perso, mais à part le concentrer sur Tanky, sachant que je veux que Tanky reste full life pour faire plus de dégâts. Tanky, de toute façon, c'est, je vous préviens direct, Tanky, c'est mon bébé, je vais le favoriser de ouf. Lui, je l'aime bien. Je vais faire tout ce qui est en pouvoir pour que... Putain, niveau 11 déjà. Voilà, vous avez compris. Arc en chaîne. 2 dégâts bonus quand les PV de Beauty sont à 100%. C'est cool. En vrai, c'est cool. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait... Oh, ça, c'est de la merde. Ouais, donc, c'est clairement... L'arc en chaîne est clairement mieux, quoi. Et c'est cool parce qu'en plus, il faut qu'il y ait des mecs en face qui attaquent dans la backlane. Ah mais du coup, regardez l'XP d'avance qu'il a, lui. Non, l'anneau d'XP, c'est de la merde, je le mettrai plus jamais à personne, je pense. J'aime pas quand... Enfin bref, vous avez compris. Par contre, j'ai des étoiles magiques, donc... Ça coûte combien, ça? Ah, c'est bon, je l'ai. Ça coûtait que 2. Succès déverrouillé, new power unlocked. Donc ça, c'est un power. J'ai eu un succès Steam, c'est pour ça que je montre mon curseur ici. Ok. Tu devrais shield le barbare quand il est low life. C'est pas faux. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je me dis, vu que le shield est sur mon tank, je peux pas mettre le shield à quelqu'un d'autre. Mais en vrai, oui, c'est vrai que je suis con, je peux le mettre à plusieurs personnes en fait. C'est juste que ça me coûte 50 de mana à chaque fois, quoi. Enfin, non, ça coûte pas 50, ça coûte 20, je crois. Donc, en vrai, ouais, t'as raison, je pourrais faire ça tout simplement. Ça t'a plu de faire partie de la guilde des méchants? Pas vraiment, c'est nul de faire partie d'un seul groupe. Je préférais devenir un barbare indé, faire mes propres trucs. J'ai plein d'autres projets, créer la guilde des botteurs de cul, me convertir en tant que barde ou en tant que bûcheron. Ah. Pauvre Tanky, regardez, il se victime. Moi, c'est mon chouchou Tanky. Fight. Fight. Donc, toi, il faut que tu sois cool avec tout le temps. Hop, plié. Ah oui, le shield a quand même un petit coup de dalle. Je te jure, ma barre de surchauffe, elle passe quand même très rapidement. Je sais pas si tu vois, elle passe quand même très rapidement le premier truc, quoi. La première petite barre. Et en fait, je vais te remontrer la description astuce sur une carte. Vous pouvez utiliser des flèches directionnelles SQSD ou la souris. Okay. Je vais te montrer la description du sort heal. Oh putain, je vais arriver. Mais regarde. Coup de mana, 3 mana par étoile. Petites étoiles de Benin aux F. Merde, c'était où? Voilà, la jauge de surchauffe détermine la taille des étoiles. Donc tant que je suis dans la première, ça fait des super étoiles. Tant que je suis dans la deuxième, ça fait des grandes étoiles, donc 8 PV. Après 5 et après 2. En vrai, t'as raison. En vrai, t'as raison, parce que la différence entre 10 et 8, elle est pas ouf. Donc c'est pas non plus... Attends, on parlait de ça pourquoi déjà? Parce que j'ai mis ça? Non, pourquoi? Ah oui, pour l'arbre. Non, mais en vrai, c'est bien quand même. En vrai, ça va. Surtout si plus tard, je me dis que le Meditate, je changerai par autre chose.
Mid-boss Wazir. Le tag sur le mur. Encore des ennemis, c'est quoi ce donjon? On peut pas faire deux pas sans se faire attaquer. C'est la norme, c'est ton premier donjon, Beauty. Tu rigoles? Je grind de l'XP depuis des années. Des années, et tu n'es pas encore à niveau 25. Il y a encore quelques jours, je suis tombé sur un mage un peu fou qui m'a ramené au niveau 1 avec un de ses sorts cheatés. Oui, Beauty, bien sûr. Quel sort étrange, pourquoi a-t-il fait ça? Mets-toi de tes oignons. Fight. Ok, let's go. Tac. Lui, il a son super, je vais le tester du coup. Est-ce qu'on voit les trois secrets? Ah oui, nice! Je viens à lui. Oh, super vite. Allez, fais ton rock'n'roll là, enfin ton métal. Hop, on lui met un shield. Victory! Victory! En effet, ça monte plus vite que ce que j'avais vu. Ouais, c'est pour ça. Après, t'avais quand même raison dans le sens où je monte rarement au-dessus de la deuxième barre. Du coup, la différence entre 10 HP et 8 HP par petite étoile, c'est pas non plus... Voilà. C'est deux, quoi. Mais... Oh, des araignées! Mais en vrai, je pense que c'est bien quand même... La joue de surchauffe qui descend 3 fois plus vite quand je suis en méditate, c'est quand même pas mal, quoi. Ne vous fâchez pas, les gars, mais je vous avoue un truc. Sur l'écran de création de personnage, j'ai sélectionné le malus arachnophobie en échange d'un bonus de dégâts. Je me sens pas trop bien tout de suite. Comment t'as découvert ce jeu? On me l'a conseillé. En fait, on m'a envoyé une clé. On m'a dit, ah, ce serait cool que tu le testes et tout. Et le développeur est francophone, il est belge. Il a fait le jeu tout seul. Il me suit sur Twitter, donc je sais pas s'il suit mes vidéos, mais en tout cas, il me suivait sur Twitter. Du coup, voilà. Et en fait, c'est un ami de Editor. Si vous voyez qui c'est un ami à moi. Donc. Voilà, on a un ami en commun qui nous a dit « Franchement, n'hésite pas à tester son jeu, c'est vraiment trop bien. » Et j'ai fait « Ok, ça m'intéresse, et voilà. » Ils sont pas trop bien, là, tout de suite. Si je comprends bien, tu auras auto-peur quand il y a des araignées dans le coin, c'est ça? Fais gaffe, Fukani, si Beauty a peu dit pendant 3 secondes consécutives, il cédera à la panique et s'enfuira. Ah oui! Si tu le vois devenir blanc, soigne-le aussi vite que possible. C'est exact. Pour tout vous dire, je ramasse aussi 2 fois plus de dégâts contre les araignées. Comment il peut sélectionner ce malus? Tout le monde sait bien qu'il est complètement nul. Tout le monde a été noob un jour, mais tout se passera bien, tu me protégeras jusqu'à l'avoir, pas vrai, tanky? Si on laisse Beauty en première ligne quand on combat des araignées, ça pourrait être marrant. La gueule. N'hésitez pas à me dire dans le chat, parce qu'en fait, à chaque fois j'oublie à quelle heure je lance les VOD, du coup je sais pas depuis combien de temps j'ai lancé celle-là. Je pense qu'on va finir le donjon et couper la VOD, sauf si le donjon est trop long. J'ai pas envie de faire des VOD d'une heure en fait. Ok, let's go. Un autre personnage est atteint d'état normal paralysie. Je sais pas lequel c'est. C'est lui, je crois. Ce serait dans son sort. Ok, pour l'instant ça va. Je vais pas mettre le shield à lui. Tac. Merde, je l'ai relié au-dessus. C'est pas ouf. Ok. Bon, ça va, les araignées sont même pas venues le chercher lui là. Ok, je peux lever les mains. Les sons du jeu sont trop marrants. Il les a fait tout simplement. J'ai pas compris. Quand on quitte, tue un ennemi, il reçoit invulnérable et blesse pendant 3 secondes. Oh, je sais pas ce que c'est blesse, mais... Il a vraiment des armes trop bien. Tout ce qui est là, en fait, enfin, à part ça, et encore. Mais tous ces trois là sont trop bien. Je sais pas ce que c'est blesse. On va tester, hein. On va lui mettre, hein. Après tout. Après tout, on est là pour essayer. Il les a fait de manière simple. Ah, tu veux dire, je pense pas qu'il ait fait le son lui-même en vrai. Je sais pas. Vous pouvez me dire ce qu'on vient de faire dans ce donjon? Gagner de l'XP! Allez, on s'en fout de l'XP, on est là pour démolir le dragon. Attendez un peu, un dragon dans un donjon? On ne sait pas que c'est un piège. Les dragons ne vivent pas dans les donjons, mais dans les plaines et les montagnes. De plus, comment un dragon peut-il rentrer dans ce donjon? La porte est trop petite. Arrête de pénaliser sur les détails. Non, il a pas tort, hein. Ils ont probablement construit le donjon autour du dragon, tu vois. Ok. Fight. Chie direct. Je sais pas pourquoi je le heal. Shield. Oh là là, il a pris cher. Oh putain, je pouvais pas le... J'étais en train de me concentrer sur le poison du mec. Enfin, de Tarki. Medigate. Je t'en mets un shield, toi. Putain, mais comment il s'appelle? Grumpy va me détester, hein. Il faut que je sois full life. Grumpy, il va me détester. Victory!
tu l'as débloqué, Bless. Ah, mais c'est un de mes spells, Bless? Ah, c'est ça! Ah, mais est-ce qu'il faut que j'aie dans mon inventaire, du coup? Est-ce qu'il faut que j'aie dans mon inventaire de sorts? Multiple l'efficacité des sorts de soins lancés sur vos alliés par 2. Soigne vampirisme et malédiction. Je pense pas qu'il y ait besoin de l'avoir dans la barre, du coup. Mais c'est pas... Pendant 3 secondes, il a ça, du coup. À chaque fois qu'il tue quelqu'un. C'est pas ouf, en vrai. Je préfère l'autre, le truc qui donne plus 3 de défense. Des ennemis, des XP... Qu'est-ce que... il est de retour, lui. Oh là, les poulets. Waouh, loot. Il les a tous one-shot, ou je rêve, là. Faut pas se le mettre à dos non plus, sinon il va te mettre un arbre, j'avoue. Bah, les pattes, c'était nos monstres. Incroyable, c'est comme ça que vous dites merci, les poulets. Merci, où sont nos XP, notre or? Et tu as même volé le loot. Bien entendu, j'ai tué les monstres, donc l'or, les XP et les drops sont à moi. Prépare-toi à crever, on va les récupérer. Oh oui, go, on le défonce. Vous avez de la chance, je n'ai pas le temps, à part mon moment, j'ai une épée légendaire à trouver. A plus les poulets. Oh, il a fait tomber un truc. With the compliments of Don Cheetor. Cheetor. On dirait une carte de visite. On doit retrouver ce Don Cheetor et récupérer le loot qui nous est dû. Ne prends pas les choses de façon trop personnelle, Beauty. On a une autre quête en cours, tuer le dragon, tu te rappelles? Mais il nous a appelé poulet. D'accord. On tue le dragon, puis on trouve Don Cheetor et on récupère notre loot. Les monstres ont déjà respawn. Ce jeu est trop bien, putain, les dialogues sont trop bien. Un personnage attend de l'état anormal, peur. Si un personnage a peu de vie en étant apeuré, il deviendra blanc. Mais on l'a vu tout à l'heure, ça. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Wow, calmez-vous. Wow, Remedy, vite, shield. Voilà. Ok, toi, tu veux. Wow, ils font trop mal. Au secours. Merde, j'ai trop vite, du coup. Fais ton super, toi, s'il te plaît. Oh putain, j'ai plus de mana. Victory. Wouhou. Putain, le début du combat... En fait, à chaque fois, je pense que... En fait, si les 4 mobs en face, ou 5, ou peu importe combien ils sont, se mettent à focus le même en même temps, les débuts de combat, c'est violent de ouf. Hein. Life, l'allié ciblé est ressuscité. Oh, Nid, c'est un raise. Oh, Nid le raise. Mais je peux... Je vire quoi? Tout est trop bien. Le seul que je peux virer, c'est le shield, à la limite. Je peux clairement pas retirer mon heal ou mon meditate, parce que de toute façon, si je remplace mon heal, ce sera par un autre heal. Et si je remplace mon meditate, ce sera par un autre truc qui rend de la mana, donc ça. Mon remedy, c'est bien, parce que bah, j'enlève tous les trucs. Ah, je sais pas quoi... J'enlève le shield, vous pensez? Non, je peux pas. Je peux même permettre d'enlever le shield. Ah, je sais pas. Bon, j'ai des étoiles magiques, on va voir ce qu'on va... Bon, on a dit qu'on faisait un build autour de Meditate et Heal. Donc on va rester sur ces deux-là pour l'instant, en tout cas. Les petites étoiles coûtent un mana de moins. Oh, c'est bien, ça. Ça, en vrai, c'est bien. Parce que surtout, à l'avance, ça coûte 3 mana. Pour ça, vous vous rendez pas compte, mais une étoile, c'est 0,5 secondes. Donc... Il se pourrait que par seconde, si j'arrive jusqu'ici, j'économise 6 mana. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. On va faire ça, je pense. Ah, je peux pas. Ah, je peux partir que dans... Bah non, pourtant, ça brille. Je peux partir que dans une seule direction dans l'arbre. Ah... Ok, donc c'est moins vaste que ce que... Enfin, si, c'est quand même vaste. Enfin, je suis désolé, mais... Il y a 1 milliard d'arbres, quoi. C'est quand même très vaste, mais en tout cas, on se concentre que sur une partie. Du coup, effectivement, c'est peut-être pas ouf que j'ai pris ça, quoi. Parce que... Si je peux rien prendre d'autre, est-ce que le truc de jauge de surchauffe, c'est vraiment ouf, quoi? T'as 2 upgrades, il te faut 2 étoiles. Ah oui, j'en ai une! Ah mais my bad, je pensais que c'était ça, mon soc. Je regardais ça, en fait, depuis tout à l'heure. Ah oui, donc, j'ai dit full merde, alors. Oubliez pas, tu peux reset l'arbre. Oui, on peut aller là. Ah oui, vous n'avez pas assez d'étoiles. Effectivement, my bad. Donc, j'ai dit full merde. Donc, en fait, ouais, on va vraiment se concentrer sur le meditate et le heal. Peut-être le shield, je sais pas.
Oh, auto-shield. Quand la vie d'un allié est basse, jauge orange, il gagne automatiquement un bouclier de 7 PV. Cet effet s'applique une fois par personnage par combat et si le professeur shield soit équipé. Ça, c'est trop bien pour le nain. Pour Grumpy, c'est trop bien, ouais. On verra plus tard. Bon, le raise, pas maintenant. Je crois que la vidéo est trop longue, là. J'ai l'impression que le donjon, il est pas fini, quoique. Ah si, on y est, je pense. Hein. Alors, je pense qu'on va... Je vais couper la VOD là, j'ai pas vu que ça fasse une heure en fait. Merci d'avoir suivi YouTube, on se retrouve pour la troisième partie bientôt. Bye, bisous.